La finale du tournoi des Maracanans dénommé Tournoi de la paix, parrainé par l'honorable Paul Odakio, député et premier maire adjoint de la commune de Boaké, s'est jouée le dimanche 5 septembre 2021 au quartier Tola Kwadiokro. C'était une organisation de Tello Siloué, président de l'APC, Action pour la continuité. Plusieurs personnalités ont assisté à ce tournoi. AT Communication vous présente les meilleurs moments de ce tournoi des Maracanã dans News Day. Vous suivez News Day. La cérémonie est arrivée. Il va saluer du monde. Je pense qu'en pareille situation, vous prenez le micro et vous donnez des conseils d'usage avant le début du match. Donc, vous avez en face de vous l'honorable député maire d'Akiopole. Pour l'applaudir. Ouais, gauche. Ramos. FC pour le Révolution pour la présidente. Hazard. Ça vous dit, parrain, vous pouvez donner des conseils. C'est pour s'amuser. Vous avez compris? Donc, évitez les fauchés par derrière. Faites tomber. Non, non. Soyez fair play. Et puis, ce sont les meilleurs qui gagnent. Et puis, dans tous les cas, c'est tout là qui gagne. Avant le démarrage du match, le doyen El Hadj Diaby Mamadou et l'honorable Paul Odakio ont donné le coup d'envoi. Deux équipes qui s'opposent. La première équipe, c'est FC. Et la deuxième équipe, c'est Pro Révolution. C'est une association aussi de jeunesse. C'est une association aussi qui fait la promotion de la jeunesse. De la jeunesse de la Cathédrale. Il faut venir nous voir, c'est très important. La tête, c'est sa deuxième édition du tournoi de l'intégration. Du tournoi, du tournoi de la promotion de la jeunesse. La dette n'est pas méconnue. La dette, c'est sa deuxième activité. Vous suivez Newsday. Je voudrais féliciter les organisateurs. Comme vient de le dire tout à l'heure Madame le maire, il y a la cohésion, il y a le vivre ensemble. Pourquoi avoir organisé ce tournoi? Nous avons organisé ce tournoi dénommé tournoi de la paix et de la cohésion sociale parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire et surtout la jeunesse qui est le fer de lance des hommes politiques mérite d'être sensibilisée relativement à la paix et à la cohésion sociale. Cette rencontre rentre dans le cadre de vos activités de vacances. Alors, on a eu au total combien d'équipes? Nous avons débuté le tournoi avec 24 équipes parce que le grand quartier de Tola Kwadiokro, Gonfreville, Nyamia Kakro, c'est le grand quartier et avec beaucoup de jeunes. Et tous ces jeunes ont voulu participer à cette fête. Pour finir, un mot à l'endroit de l'honorable Paul Odakio. Nous, jeunesse de Tola Kwadiokro, Nyamia Kakro et Gonfreville, adhérons pleinement à l'idéal de paix et de cohésion sociale du docteur Odakio Paul. C'est pourquoi nous ne cesserons de le solliciter pour qu'il soit toujours près de nous, nous aider à sensibiliser nos camarades, à être unis, à mener ensemble les activités
surtout dans la paix et dans la cohésion. Vous suivez News Day.